Salut à tous, c'est Sébastien Perrin, alias Sébastien Huradio. Du 4 au 6 décembre avait lieu l'édition 2015 du Téléthon à Guise et dans toute la France. Le Téléthon à Guise a commencé le 4 décembre au matin par un achat de ballons par les écoles maternelles et primaires de la ville. La soirée du 4 décembre a commencé par un repas où 80 personnes étaient réunies dans la convivialité et la bonne humeur pour partager un bon repas agrémenté de plusieurs jeux pour divertir les convives. Suite à ce repas, un feu d'artifice tiré depuis le magnifique cadre qu'est le château fort de Guise a eu lieu. Ensuite, une marche nocturne au flambeau a déambulé dans les rues de Guise jusqu'au château fort pour arracher de lanternes volantes. Pour finir cette journée, l'hymne national a été chanté devant le château fort. Un très grand moment de frissons et d'émotion. La journée du 5 décembre a été sportive. On pouvait assister à des démonstrations de Tai Chi Chuan, Yoseken Training, Yoseken Budo, Judo, Danse en ligne, Majorette et de Zumba. Durant cette journée, avait lieu également un fil rouge, le marathon du kayak, un parcours de gymnastique pour enfants par le club La Renaissance, un flash mob sur la musique de Michael Jackson Thriller par les majorettes Les Crystal Blues de René Sainte-Benoît et les Angels de Wassigny, une promenade en charrette tirée par des chiens bouviers bernois, ainsi qu'un questionnaire historique et culturel autour de Camille Desmoulins. Cette journée s'est terminée par un loto où 180 personnes étaient réunies pour gagner de nombreux lots. Pour finir ce week-end, le dimanche 6, on pouvait déguster une soupe à l'oignon, un petit déjeuner. Il y avait également une randonnée cycliste par le club La Roudeur de Guise. Durant les 3 jours, des objets Téléthon étaient en vente dans le gymnase Le Sueur, ainsi qu'au centre hospitalier de Guise. Les pompiers ont également vendu des objets Téléthon dans les magasins Carrefour et Intermarché de la ville de Guise.
Le Téléthon 2015 a été encore une nouvelle fois une grande réussite pour Mario, l'organisateur, et ses bénévoles qui ont fait un énorme travail durant ces mois de préparation. Le record de 2014, qui était de 11 376,88 € a été largement battu. Cette année, le Téléthon a récolté 13 282,70 €. Une très belle somme récoltée qui servira aux chercheurs pour leurs recherches et pour aider les enfants malades. Bravo aux différentes associations qui ont donné de leur temps pour le Téléthon et aux personnes qui ont fait un don. C'était Sébastien Perrin, alias Sébastien Uradio, pour Uradio.